Bienvenue dans cette quatrième édition du Grand Débat en partenariat avec la société Été Indien, société qui conçoit et pilote des programmes durables et innovants de prévention de la santé des jeunes seniors par l'activité physique adaptée. Le thème de ce quatrième débat est le sport sur ordonnance pour les seniors notamment. Quel avenir? Avec des échanges pour comprendre ce dont il s'agit, où nous en sommes dans son application, qui est concerné, les objectifs, quel sport? Le rôle d'été indien, etc. C'est de ce dont nous allons parler avec nos invités. Tout d'abord, Annabelle Grousset, qui est la présidente de l'Union nationale des maisons sport-santé, également présidente d'une maison sport-santé qui s'appelle À pas de géant. Alexis Reed, qui est chef du bureau de l'élaboration des politiques publiques du sport à la direction des sports, au ministère des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Et enfin, le docteur Patrick Bacard, qui est vice-président médecin-chef de l'Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé. Et enfin, Benjamin Braquet, qui est un des fondateurs et président d'État indien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Alors pour commencer, Bonjour. Benjamin, je propose de nous expliquer pourquoi tu as choisi, tu as proposé ce sujet pour Oh, cette. oui. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est la quatrième émission que l'on organise ensemble. Hein, et pour rappel, le sujet global est l'activité physique pour les seniors. Et donc, il était naturel finalement qu'à un moment ou un autre, on aborde ce sujet qu'on appelle sport sur ordonnance, qu'on peut appeler prescription d'activité physique ou activité physique à visée thérapeutique, hein. Il y a plusieurs termes derrière cela, mais c'est finalement un sujet qui est né 2016-2017, si je me trompe pas, en tout cas dans la loi, et qui aujourd'hui est en train de bouger quand même. On le sent. Et c'était notamment pour ça que j'ai souhaité qu'on l'aborde avec différents regards, hein, parmi les invités qui sont là. Et justement de se dire, bah, qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas encore complètement connu. Et aussi, bah, comment ça peut se développer aujourd'hui, hein? C'est ça le sujet. Les lois avancent, les professionnels sur le terrain, ça avance aussi. Les médecins, la sensibilisation des médecins avance. Enfin, voilà, ça va dans le bon sens, mais c'est encore long et lent. Et bah, l'idée, c'est pourquoi et comment on peut aussi aller plus vite, puisqu'on est tous, eh bien, on a tous envie que ce sujet avance. Annabelle, quand on dit sport sur ordonnance, on verra le terme, de quoi parle-t-on? Et puis aussi, est-ce que vous expliquez ce que c'est qu'une maison sport santé? Eh bien, oui, alors on va dire qu'on part d'un constat qui est clair. La majorité des Français n'atteignent pas les recommandations d'activité physique, et a fortiori quand elles concernent les personnes qui sont porteuses d'une maladie chronique. Donc en 2016, on s'interroge sur la possibilité de mettre en place une prescription d'activité physique par les médecins concernant les porteurs d'affections de longue durée. Et puis en 2022, avec la loi qui évolue, on va ouvrir cette prescription et cette possibilité de prescription aux malades chroniques en général et aux personnes en perte d'autonomie aussi en plus particulier. Donc la prescription d'activité physique, c'est vraiment l'idée de développer une pratique thérapeutique non médicamenteuse qui consiste à mettre du mouvement dans la vie de chacun. Je pense que c'est assez concret. J'espère que les autres interlocuteurs seront d'accord avec ça, mais à peu près, c'est à peu près ça. Je pense que c'est Une belle définition, en tout cas. une maison sport santé. Alors, une maison sport santé, c'est un lieu physique ou pas du reste, mais qui a pour mission principale d'accueillir, d'informer, d'orienter l'ensemble de la population quand elle a des questionnements autour de l'activité physique. Donc, le but initial, c'est de prendre ou de reprendre une activité physique, quel que soit son âge, son état de santé et sa vision des choses. Et donc, la maison sport santé, c'est un endroit ressource où on va pouvoir trouver de l'information et éventuellement se faire accompagner pour être orienté vers une pratique régulière, pérenne, le plus près possible de son domicile. Patrick, je rappelle que vous êtes docteur et médecin. Oui.
L'histoire du sport santé. L'histoire. L'histoire du sport santé, c'est l'histoire de justement du lit, comme vient de le dire Annabelle, de lit de la sédentarité. Et l'histoire du sport santé a démarré dans les années 70 ou 80. Je parle de 1980, vous voyez, il y a quelques années, avec cette prise de conscience, surtout des cardiologues, et bien sûr, vous le savez, les fameux parcours du cœur qui ont essaimé la France pour permettre de mettre les gens en mouvement, comme vient de le dire Annabelle. Donc c'est un long cheminement. Il y avait entre deux le sport pour tous, les pratiques d'une activité physique. Et ce long cheminement a débouché, voyez, sur finalement une prise de conscience, se dire, après des preuves scientifiques venant du monde entier, que cette activité physique pouvait être prescrite à la place ou à côté ou en plus du médicament. Et donc, à partir de là, il fallait trouver une loi support ou un ministère qui supportait cette loi. Et pour avoir bien connu Valérie Fournéon, parce que j'étais à l'époque médecin du ministère des Sports, c'était mon chef du bureau à l'époque où il existait au ministère des Sports un bureau médical, puisque j'étais médecin inspecteur, eh bien, on a compris son cheminement qui voulait au départ effectivement que ça devienne comme le médicament, remboursé. Et le fait est qu'aujourd'hui, il y a bien entendu bien un certain nombre de prises en charge, actuellement d'expérimentation, qui permettent d'accompagner les patients, mais le remboursement et le manque de remboursement est le véritable frein. Donc, ce cheminement est long, il est jamais assez rapide pour nous qui n'y sommes depuis le départ, mais effectivement, il faut se méfier aussi d'être trop rapide, car à force d'être trop rapide, on va peut-être pouvoir ne pas répondre aux objectifs. Car l'objectif d'une thérapie, c'est effectivement d'apporter une amélioration significative dans le parcours du soin et du patient. Et accessoirement pour l'assurance maladie, et ça c'est accessoire, mais important, réaliser des économies en termes de santé publique. Donc, se méfier aussi du fait que trop de patients ou trop de médecins puissent prendre ça comme un gadget par des structures qui ne sont pas préparées à les proposer. Et finalement, ce serait contre-productif. Donc, nous sommes contents que l'on en parle ce soir, mais nous constatons que nous en parlons depuis 40 ans. Une autre question. Qui, toujours Patrick, qui est concerné par ce process, par ce Alors, tout dépend effectivement si on parle de prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Effectivement, nous sommes, nous, médecins, à nous dire que la prévention primaire, c'est finalement un prérogatif de tout le monde, du monde sportif, des parents, des éducateurs, de l'école, l'université, de l'entreprise. Pourquoi nous aurions-nous le privilège de dire qu'il faut bouger plus? Chacun peut apporter ce message. Il y a un site en France qui existe, hein, qui fait la référence au niveau de l'Europe, c'est Manger Bouger. Donc on n'a pas attendu après nous pour le dire. Et puis c'est peut-être aussi effectivement chaque professionnel de la santé dans son cabinet ou lors d'une rencontre avec un patient de parler de l'activité physique. Là, ce n'est pas une prescription. C'est simplement faire la promotion entre guillemets du fait qu'il faut bouger au quotidien. C'est aussi là des villes, des territoires qui peuvent s'approprier hein, ces mouvements actifs, hein, en proposant des pistes cyclables, en proposant effectivement des solutions pour que les personnes bougent plus. Et puis après, nous sommes donc dans la prévention secondaire et tertiaire. Et là, effectivement, l'interrogation pourrait se dire, est-ce qu'en visant tous les publics de 2 à 99 ans, on ne se fourvoie pas? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à cibler un public qui est effectivement, pourquoi pas les seniors, pourquoi pas effectivement l'âge intermédiaire, à partir du moment où les facteurs de risque peuvent apparaître? Donc voilà, c'est toute la problématique. À vouloir trop éteindre, étreindre, on va se fourvoyer. Et cet aspect inhomogène aussi des structures même qui sont les maisons sport santé, je le vois bien dans ma région, il y en a 36, aucune ressemble à l'autre. Donc le centre ressources, oui, mais nous sommes centre ressources. Donc il faut aussi utiliser un langage commun. Si le langage n'est pas commun et que chaque structure a sa propre source, on va brouiller le message. Et brouiller le message en termes de santé publique, c'est ne pas s'approprier le message. Et si le public ne s'approprie pas le message, on est devant un flop. Donc c'est compliqué. La prévention, ça s'invente pas. C'est de longue haleine. Il faut y mettre des moyens. Il faut aussi que tous les acteurs marchent, j'ose dire, la main dans la main. Mais vous avez raison. Il faut essayer de cibler. Et peut-être que cibler les seniors est une bonne porte d'entrée. Alexis, peut-être expliquer votre rôle au ministère et ensuite expliquer où on en est dans ce. Alors, je ne sais pas le terme. On dit processus, étape. Comment on qualifie ce.
cette démarche? Processus ou développement, je pense que ça D'accord, peut être processus. important. Le rôle du ministère des Sports dans ce processus, justement, c'est de l'accompagner, de le structurer et de lui donner de l'ampleur. Le docteur Bakar rappelait un petit peu les grands jalons historiques, et c'est vrai que le grand jalon pour le ministère des Sports en termes d'intervention publique sur le sport santé, c'est 2012. C'est effectivement avec Valérie Fonderon le premier plan avec le ministère de la Santé, mais avec quand même un leadership un peu fort du ministère des Sports sur ce sujet. La structuration d'une politique sport-santé portée au plus haut niveau par la ministre, mais aussi par le gouvernement d'une manière générale. On a eu ensuite un certain nombre de développements, effectivement, en 2016 avec l'ouverture de la prescription. On peut aussi, en 2019, le lancement du programme des maisons sport-santé. Voilà. On a eu des différentes étapes de développement. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir maintenant structurer cette action, la crédibiliser, la professionnaliser là où il le faut et la pérenniser, lui donner un cadre et une assise. On a pendant des années fait un plaidoyer pour le sport santé. On nous a demandé 1000 fois de démontrer en quoi le sport avait un impact positif sur la santé. Je pense qu'aujourd'hui c'est fait. Je pense que ça n'est plus à démontrer. Et on a eu un petit peu une chance dans notre malheur avec le Covid, c'est que les gens ont expérimenté dans leur chair à quel point l'activité physique était essentielle. Elle était essentielle au plus haut de la maladie parce qu'on voyait bien que les personnes en bonne condition physique résistaient mieux, développaient des formes moins graves de la maladie, mais aussi on a vu les conséquences de la sédentarité ou liées au confinement. On a développé des pathologies ou en tout cas aussi des problèmes physiques ou psychologiques liés à la sédentarité. Donc là, les gens ont vraiment expérimenté ça. Et donc ça, finalement, ça joue aussi en faveur du message qu'on porte depuis des années, en le rendant beaucoup plus accessible au grand public en général et peut-être plus spécifiquement aux professions de santé si on parle là du sport sur prescription. Donc voilà, je pense où on en est. Le message est passé. Maintenant, à nous de s'appuyer sur cette reconnaissance pour structurer ce secteur ou cette activité et en faire quelque chose qui fasse pleinement partie des parcours de soins des patients et en particulier des personnes âgées. Pendant, toujours Alexis, pourquoi est-ce que ce processus est important? Le fait de passer par un médecin, c'est important pour faire du sport. Certains pourraient se dire, bah non, moi je peux faire du sport sans ce processus. Ben, c'est important parce que là, on parle d'activités physiques qui ont une valeur thérapeutique. Et donc, le fait d'être prescrit par un médecin déjà reconnaît cette valeur, notamment vis-à-vis du patient. Mais aussi, on peut imaginer que ça va favoriser l'observance. Dire à quelqu'un faire du sport, ça n'a pas de sens. Personne ne va faire du sport parce qu'on lui dit. C'est un processus éducatif, ça part depuis l'enfance. Les gens ne se mettent pas au sport parce qu'un jour on leur dit, oh là là, t'as pas l'air en forme, tu devrais faire du sport. Non. C'est pour ça que c'est important là, de parler d'activité physique, parce que par activité physique, on entend bien le mouvement, on entend une activité qui va adapter et qui peut porter des bénéfices sur la santé. Et donc, si le message passe par une prescription, il a d'autant plus de force et a priori d'engagement du patient qui est essentiel en matière de sport santé. L'observance, donc j'imagine, moi je traduis que c'est la figure d'autorité qui fait que, bon, en fait, on suit plus son médecin peut-être qu'un ami. Est-ce que ce qu'un ami pourrait nous recommander pour faire du sport? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ce processus est important? Peut-être un label? Oui, tout à fait. Il y a plein d'autres raisons.
Notamment parce que l'activité physique sur prescription ou à visée thérapeutique, ça peut être un starter au changement de mode de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, on a besoin d'être accompagné pour retrouver du plaisir à bouger, pour connaître ce que c'est que cette façon de se mettre en mouvement. Peut-être qu'elle soit très structurée. Et puis, une fois qu'on a vécu ce processus, si on arrive vers une autonomie, on peut ensuite faire le choix de poursuivre une activité physique qui soit plus sportive, vers des clubs ou vers des associations qui vont avoir à plein temps leur rôle à jouer dans la pérennisation de cette activité et dans la mise en œuvre continue d'un mode de vie beaucoup plus actif qu'au départ. Donc la prescription, elle sert à ça, elle sert à se dire maintenant, il faut que je fasse quelque chose et quelqu'un peut m'accompagner pour le faire comme il faut. Bonjour, pourquoi Patrick? Moi, j'ai lu un document de la Haute Autorité de Santé qui disait également qu'en passant par un médecin, ça pouvait éviter les complications. C'est en fait se blesser en faisant n'importe quel un sport qui ne serait pas forcément adapté à sa situation. Bon, oui, on peut peut-être prendre cette hypothèse-là. La sécurisation est l'objet de la prescription. Le médecin, bien entendu, va prescrire en fonction de l'état physique du patient, son état fonctionnel, son état psychique, son ressenti, son vécu, et bien entendu, il va lever les contre-indications potentielles ou donnera des réserves de pratique. Donc, c'est pour ça que la prescription a beaucoup d'importance. Maintenant, les blessures, c'est plutôt le rôle que nous essayons au niveau du collectif France Sport Santé de véhiculer au niveau des acteurs du sport, car ils vont recevoir des patients. Ils vont recevoir des malades, même s'ils reçoivent aussi, par l'évolution de la loi, un grand nombre maintenant de publics qui ont comme seule maladie, entre guillemets, d'être sédentaires. Bon, la sédentarité est une étiologie, mais ce n'est pas une maladie. Mais donc, la sécurisation des pratiques, c'est vraiment comme pour le médicament. On est exactement dans le même objet. Il y a une posologie, il y a des contre-indications, des indications, des contre-indications. Le seul vrai problème qui existe, et moi je le ressens comme tel, c'est que, et j'ai été directeur de plusieurs thèses de médecine sur ce sujet, et j'en fais passer une dans un mois, c'est qu'en fait, il n'y a pas de beau, il y a pas assez de feedback aujourd'hui, même si les structures sont remarquables, hein, je ne veux pas dire ça. Il n'y a pas assez de feedback sur justement le moment où on a prescrit, où le médecin a prescrit, et le moment où son patient est pris en charge pour une thérapie. Le feedback sur le médicament, c'est le pharmacien. Le patient, s'il a un doute, il va donner son ordonnance au pharmacie qui va lui expliquer comment il faut prendre le médicament. Il n'avait pas compris que c'était au milieu du repas, il n'a pas compris que c'était à jeun, il n'a pas compris que c'était le soir, il n'a pas compris qu'il fallait mettre, s'il y avait un ressenti, il fallait prévenir un médecin. Là, il n'y a pas de feedback. Le feedback, c'est l'ordonnance est reçue par un acteur qui devra un langage commun et qui, s'il y avait un mésusage de la pratique, ou s'il y avait un inconvénient survenant et qui n'était pas prévu par la patiente, il doit prévenir tout de suite en retour le médecin traitant. Et là, c'est ça, il faut inventer dans ce parcours de soins ce feedback. Des structures le font, je ne dis pas ça, mais c'est compliqué, ça coûte cher. Il faut inventer, effectivement, enfin, il ne faut pas inventer, il faut construire. Inventer, ce n'est pas le bon terme, je m'en excuse. Il faut construire ce parcours de soins qui va sécuriser la pratique de la prescription à la dispensation et un retour vers le médecin, et qui, effectivement, comme l'a dit Annabelle tout à l'heure, si les personnes, on leur a donné un ressenti de bien-être et une amélioration de leur état physique, avec, pourquoi pas, une diminution du médicament et un ressenti de forme, entre guillemets. Ces patients pourront très bien dire, mais docteur, maintenant j'ai envie d'aller pratiquer avec mes petits-fils, avec mon voisin, avec un collègue, dans un club sport santé, est-ce que j'ai le droit? Voilà le but. Le but, ce sont qu'il y ait des clubs tremplins et une passerelle pour que les gens, comme l'a dit tout à l'heure Alice Irine, n'arrêtent pas le sport. Parce que ce serait contre-productif de, vous savez que la plupart des structures sport santé, par manque de moyens, il faut bien le dire, par manque de financement, vont pas inclure les patients à vie. Il faut bien qu'ils sortent, parce que s'ils ne sortent pas, il y a un goulot d'étranglement qui fera qu'on ne pourra pas continuer à prendre les autres patients. Donc, il faut bien qu'à un moment, on puisse les transférer vers, pourquoi pas, les clubs sport santé, mis en place par les fédérations sportives, etc. Donc, voilà. Mais la prescription est au centre de la sécurisation. Justement, je suis, en imaginant que j'ai 70 ans,
Je veux aller à ma salle de sport. Quel est le parcours en fait? Je vais à mon médecin, il me prescrit, je peux aller à ma salle de sport. Annabelle, quel est le parcours pour bénéficier de ce process? Alors, si vous avez la chance d'avoir un médecin qui vous prescrit, c'est que déjà il a fait, il a fait la démarche dans le bon sens et qu'il a saisi l'importance de ce dispositif. Quand vous allez vers ce médecin, vous allez pouvoir ensuite, avec cette prescription, soit vous orienter vers la maison sport santé en fonction de vos limitations fonctionnelles, c'est le médecin qui les détermine, soit vers la maison sport santé qui va vous permettre d'être réorienté. Orienté, soit de pratiquer dans ses locaux, soit d'aller vers un kiné si vous avez des limitations fonctionnelles importantes, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un psychomotricien qui peuvent vous accompagner dans le bon geste quand vous avez des limitations fonctionnelles assez importantes. Vous pourrez aller ensuite vers un enseignant d'APA. Quand vos limitations vont être soit stabilisées, soit plus réduites. Et ensuite, vous pourrez aller vers un éducateur sportif formé sport santé et aussi vers des pratiques autonomes sans forcément de structure autour de vous. Donc, le parcours, il est relativement dessiné. Maintenant, il faut qu'il soit connu et aujourd'hui, il n'est pas connu ni des soignants ni des pratiquants. Et c'est aussi Ni des une médecins. des problématiques. Voilà, c'est ça. C'est Donc c'est-à-dire que une je peux pas problématique. aller, je peux pas sortir de chez mon médecin et puis aller à ma salle de sport directement, ou choisir ma salle de sport. Il faut que je passe par quelqu'un, j'allais dire entre guillemets, je sais pas si c'est le terme, agréé. Ben, en fait, si vous avez une prescription, c'est qu'il y a un cadre précis de pratique et toutes les salles de sport ne vont pas avoir l'éducateur sportif formé qui va répondre à ce cadre précis de pratique, puisque en fonction des compétences qu'il va avoir, il va pouvoir répondre ou non à votre problématique. Donc, le dispositif est fait pour, comme le disait le docteur Bacard, pour limiter la prise de risque. Et en fait, il faut, même si on sait aujourd'hui que l'activité physique de maintien modéré, elle a plus d'impact positif que d'impact négatif, il faut quand même sur certains profils de patients faire attention à ne pas déclencher d'autres problématiques ou à ne pas réveiller des choses qui n'ont pas à être réveillées sur ces parcours déjà un peu complexes. Alors, question Donc quotidienne, voilà. c'est bon, supposons que je sois prescrit, je commence mon activité. Qui fait le suivi? C'est le médecin qui fait le suivi et qui regarde comment ça va, ou c'est la maison sport santé ou Alors, à la maison sport santé, il y a un médecin référent. D'accord. Donc, il peut accompagner la problématique s'il y a une problématique qui survient. Mais alors, chez nous, c'est l'éducateur qui va faire un bilan. Ce premier bilan est mis à disposition du prescripteur. Et puis ensuite, on peut faire un aller-retour avec le prescripteur. On a une obligation en tant que maison de sport santé d'avoir un système d'information qui soit sécurisé et qui va permettre ce dialogue sécuritaire. Et ensuite, on va ben, poursuivre le programme, dérouler le programme selon les besoins et les capacités et aussi les envies, parce que c'est hyper important, les envies de la personne. Et une fois qu'on a déroulé ce programme, on va refaire un bilan qui va permettre à nouveau au prescripteur de faire une comparaison avant-après et donc de pouvoir réajuster sa prescription pour la session suivante. Est-ce que je poursuis en activité physique adapté sur prescription? Est-ce que je m'engage sur un club sport santé, pardon, ou est-ce que je peux pratiquer tout seul si j'en ai les aptitudes? Donc voilà, ça se passe comme Benjamin, ça. tu interviens quand tu veux, hein. Ouais, non, mais moi Toi, c'est le sujet. j'avais justement une question, alors peut-être pour tout le monde, mais pour le docteur Bacard en priorité. Vous parliez, et c'est juste, hein, d'avoir finalement une relation entre le médecin et celui qui va prendre en charge derrière le patient, comme vous faisiez l'analogie avec les pharmaciens. Est-ce que, et moi je le dis d'autant plus que je ne suis pas de formation APA, est-ce que c'est pas l'enseignant diplômé en activité physique adaptée qui peut être cet interlocuteur-là pour vous finalement? Est-ce que c'est le cas? Et oui, non, et ben voilà, c'est ce que finalement, est-ce que c'est pas lui qui doit l'être?
Benjamin, c'est une très bonne remarque et je pense qu'Alexis Rib écoute ça avec beaucoup d'attention parce que ça fait partie de la professionnalisation. Oui. Annabelle nous a décrit le cheminement idéal, mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ce cheminement-là. Moi, j'accompagne, je tirais le nom, six structures maison sport santé dans ma région et ce n'est jamais comme ça Ah que ça se mince, passe. on aimerait bien Hein? les noms quand même. Non, mais j'en ai une remarquable qui marche très bien. C'est une municipalité qui a le label Maison Sport Santé. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Ils n'ont pas de médecin référent. Ils n'ont pas de prof APA. Ce sont les étapes qui prennent en charge. D'accord, ouais. Les impotences fonctionnelles, bon, on essaye de dire si vous allez bien, venez quand même. Après, on essaye. Bon, voilà. La vraie vie, c'est de se dire aujourd'hui, faut-il avoir une rigueur qui fait que beaucoup de maisons sport santé pourront pas y répondre à ce cahier des charges de rigueur, ou faut-il les accompagner, ça c'est le rôle du ministère, pour qu'ils se mettent en phase avec ce cahier des charges qui petit à petit sera leur demander. Mais la réalité, c'est pas de si demain effectivement on a trop de rigueur. Effectivement, la moitié des maisons sport santé peuvent être délabellisées. C'est pas un secret pour personne. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de se dire, il faut que les médecins puissent s'approprier cette thérapie non médicamenteuse, se l'approprier. Pour se l'approprier, il faut qu'on les forme, il faut qu'on leur parle, il faut pas les effrayer. Il faut commencer de se dire, oui, mais si ça foire un petit peu, si ça pagaille un peu, c'est pas grave. On va y mettre de l'ordre et nous, on va accompagner. On va être la garantie. Il faut donc finalement, plutôt que se dire qu'il y ait un prof APA, oui, il faut plutôt effectivement une structure médicale tampon qui serait un expert tampon qui pourrait dire au médecin, bon, vous avez un souci, je vais m'en occuper, on va régler le problème. C'est comme ça doit se passer. Parce que sinon, les médecins, moi, j'ai une ville, je la citerai pas, mais elle est remarquable, elle fait les choses bien, et ils ont formé les étapes. J'ai été faire des heures et des heures de formation aux éducateurs. J'ai fait six formations aux médecins dans le cadre de leur formation médicale continue. 80 médecins, c'est un succès complet. En gros, 70 prescriptions par an. Ça veut dire que chaque médecin ne prescrit pas une fois par an. Mais c'est un échec complet, excusez-moi, mais c'est un succès complet. Et c'est un succès complet parce que de toute façon, si ces médecins prescrivaient toutes les semaines, la structure ne pourrait pas recevoir les gens parce qu'elle n'aurait pas les moyens de les recevoir. Elle n'aurait pas les structures, elle n'aurait pas les heures, elle n'aurait pas les créneaux horaires, elle n'aurait pas les éducateurs, elle n'aurait pas les formateurs, elle n'aurait pas les accompagnants. C'est Donc, vous vrai. voyez, voilà, attention, ne pas se laisser dépasser par le succès qui aujourd'hui ne peut pas être. Donc, restons encore sur la sagesse de structurer, pour que finalement on puisse dupliquer ce modèle, et qui sera peut-être pas demain celui d'aujourd'hui. Je n'en sais strictement rien. Mais aujourd'hui, les médecins ne s'approprient pas la thématique. Alors peut-être aussi parce que le nom convient pas, on le change tout le temps, sport santé, activité physique à but thérapeutique, activité physique APA, et puis ils ne connaissent pas les acteurs, les médecins. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un APA STAPS, ils savent pas ce que Ah, c'est. ils savent pas, ouais. Nous, on a fait une thèse de médecine dernièrement. On leur demandait même de citer une structure qui pourrait être une structure de tutelle. Ils ne savent pas. Ils répondent peut-être l'ARS, mais on ne sait pas. Donc, ils ne connaissent même pas. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un mouvement sportif, ils ne savent pas répondre. Ils peuvent pas. Et qu'est-ce qui se passe pour le médecin qui est motivé? Mais il va s'appuyer sur une structure qu'il connaît bien, parce que lui-même il est pratiquant, ou parce que ses enfants sont pratiquants. Et il va donc s'appuyer sur ces structures en disant à ses patients, allez là, je connais, c'est bien. Voilà comment il va faire. Mais il va pas dire c'est bien parce qu'il répond à un cahier des charges, il va dire c'est bien parce que moi je les connais. Donc vous voyez, on en est loin de cet parcours de soins idéal, mais il faut s'appuyer sur les structures qui aujourd'hui fonctionnent pour essayer de, bien sûr, de professionnaliser ce parcours de soins. Alexis, un point, vous voulez rajouter un point? J'aurais deux questions, comme vous voulez. Oui, non, rapidement sur ce sujet, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, essayer de faire des maisons sport santé, des acteurs qui soient reconnus, qui soient crédibles, qui soient des lieux de confiance vers lesquels le prescripteur peut diriger ses patients. Annabelle Grousset présentait tout à l'heure le type d'intervention que pouvait faire tel ou tel type de professionnel. Tout de suite, ça peut paraître un petit peu complexe, mais c'est pas très important. Le plus important, c'est qu'il y ait un point d'entrée qui lui sait où aller, quoi faire, avec qui, voilà. Et le médecin ensuite prescrit. Quand le médecin demande à un patient de faire une analyse, il envoie son patient dans un laboratoire. Il s'occupe pas de savoir si chacun dans le laboratoire est formé, sait faire ci. Non, parce que la structure est elle-même un lieu de confiance. Ben, faisons des maisons de sport santé des lieux comme ça. C'est ce qu'on est en train de faire.
On a travaillé il y a pas très longtemps avec Annabelle Grousset sur on a discuté sur le cahier des charges et on s'est posé exactement les questions évidemment que vous soulevez. Est-ce qu'il faut être très strict? Pour quelqu'un, on va perdre la moitié des maisons sport santé potentiellement en activité. Ou est-ce qu'au contraire, et c'est plutôt ce qu'on souhaite en réalité, on les accompagne, on les fait monter, on les renforce. Alors, c'est le chemin qu'on prend et je pense que là-dessus, on peut être à peu près d'accord que c'est la voie à suivre si on veut vraiment faire en sorte que ce sport sur ordonnance y soit un peu plus effectif. Est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui en bénéficient par an approximativement, Alexis? Le sport sur ordonnance, il faudrait que Ouais. je regarde les chiffres. On n'a pas de chiffres au sens, on n'a pas de remontée au sens des prescriptions. On a des chiffres sur les personnes qui fréquentent les maisons de sport santé, D'accord. nous, au ministère des Sports. Mais tout patient à qui on leur a prescrit l'activité physique ne va pas forcément vers une maison de sport santé. Il peut aller, comme le disait le docteur Baca, vers un club que le prescripteur va connaître, par exemple, et vers qui il va le diriger. Alexis, toujours, une question essentielle. On est en France, donc quand on dit sport sur ordonnance, on dit, en question qui arrive tout de suite, à mon avis, c'est est-ce que c'est pris en charge? Alors évidemment, non, et c'est pour ça que toutes les questions qu'on se pose depuis le début sur quelle est l'utilité et pourquoi il y a aussi peu de recours, etc., c'est parce que effectivement, ça fait partie des thérapies. C'est une thérapie, mais qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas remboursée, elle peut être remboursée, bah, prise en charge par des mutuelles. De plus en plus de mutuelles, reconnaissant notamment la dimension prévention et les économies de santé qui peuvent être générées, rembourse pour partie, en général, c'est des forfaits, l'activité physique sur prescription. On a aussi des expérimentations qui sont en cours. On a certains programmes très précis, dans un cadre, voilà, scientifique très déterminé, où là, l'activité physique est prise en charge. Et là aussi, ça participe du plaidoyer dont je parlais tout à l'heure, pour faire remonter de l'information, et on va essayer de montrer à travers ces expérimentations que prendre en charge l'activité physique adaptée permet là aussi, pourquoi pas, justement, une meilleure observance, ou voilà, on obtient des résultats meilleurs que si elle n'était pas prise en charge. Donc voilà, on est, comme je disais tout à l'heure, en train de structurer ça. Mais oui, actuellement, l'activité physique adaptée en tant que telle n'est pas remboursée au sens d'un médicament classique. La belle. Oui, je voulais juste compléter en disant que il y a beaucoup de structures maisons sport santé qui répondent aussi à des appels à projets qui viennent alléger les coûts pour les pratiquants. Et c'est un travail qui est un travail de longue haleine et qui est remarquablement fait par les maisons sport santé qui vont avoir du coup dessiné des parcours particuliers par rapport à des profils de patients, mais avec des restes à charge qui sont parfois équivalents à 0 euros, ce qui est quand même pas négligeable puisque du coup, c'est chaque structure qui se débrouille pour accompagner les patients qu'elle prend en charge. Annabelle, est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce qu'il y a un ou des profils de personnes qui viennent chez vous en fait? Est-ce que c'est des très sportifs, des gens qui ont eu un accident puis qui se disent faut que je m'y mette? C'est quoi le profil des personnes? On a vraiment tout type de Français qu'on peut croiser. Alors, la plupart des maisons sport santé sont quand même situées en quartier politique de la ville ou en zone de ru revitalisation rurale, si je ne me trompe pas, Alexis, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, on a par définition des populations qui ont un accès plus facile par rapport à ces populations qui vont être soit dans des déserts sociaux, on va dire. En tout cas, c'est un peu l'idée qu'on se fait de la zone de revitalisation rurale, soit dans des zones de pauvreté, comme peuvent l'être les quartiers politiques de la ville. Et donc, on a des populations qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui doivent mettre en œuvre, par contre, qui sont sur des zones de prépondérance des pathologies chroniques. Docteur, si je ne me trompe pas, c'est un peu un raccourci, mais c'est à peu près ça. Et donc, on va avoir ces populations qui doivent mettre en œuvre des choses avec des moyens qui sont un peu parfois complexes. Mais nous, on voit vraiment, vraiment, alors moi, je travaille à l'échelle d'une agglomération en Île-de-France. Donc, on est sur une population, sur cette agglomération d'environ 200 000 personnes. On voit
vraiment tous les gens de tous les milieux sociaux, de toutes les catégories qu'on peut imaginer, du Pour les âges senior. également, tous les âges également. Tous les âges également, et parce que, alors après, nous, on a aussi développé des partenariats qui permettent d'avoir des allers-retours avec les infirmières scolaires, avec les docteurs qui travaillent en EHPAD. Enfin, voilà, on a essayé de diversifier la possibilité et la proposition de la Maison Sport Santé autour de l'ensemble de la population, puisque en principe, c'était les missions qu'on doit embrasser, voilà, quand on est une Maison Sport Santé. Mais a priori, il n'y a pas de profil type, c'est vraiment tout le monde. Après, y a forcément des endroits où il y a plus de spécialités, ça c'est Mais indéniable. il y a un déclencheur. Pourquoi est-ce qu'on se lève un matin en disant, tiens, il faut que j'aille voir une maison sport santé? Il y a un déclencheur qui fait que. Ben, en fait, les gens se disent, alors nous, on a 95 prescripteurs aujourd'hui avec lesquels on travaille qui prescrivent plus de 2 fois dans l'année à 2 patients différents. Les autres, on ne les comptabilise pas. Mais aujourd'hui, ces prescripteurs, ils ont la connaissance de ce système. Ils savent ce que l'on fait à la Maison Sport Santé parce qu'on a pris le temps d'aller les rencontrer, parfois un par un, en cognant à la porte, en leur disant entre deux rendez-vous, est-ce que je peux vous informer de ce qu'on fait, etc. Parce qu'on travaille aussi au niveau de la CPTS, donc la communauté professionnelle territoriale de santé, qui regroupe tous les libéraux de l'espace. Et donc là aussi, on fait du forcing, on fait de l'acculturation, on explique ce que c'est que le sport santé, on explique ce que fait la maison de sport santé, ce que fait le réseau sport santé, ce que font l'ensemble des éducateurs et des professionnels qui peuvent intervenir dans ce milieu. Et là, on commence à voir les fruits de notre investissement. Et donc, on commence à avoir des gens qui dirigent vers nous en sachant à peu près ce qu'ils font et pourquoi ils dirigent vers nous. Mais c'est un travail long puisque nous, on existait avant d'être Maison Sport Santé. Bien sûr. Donc, voilà. Ça fait 7 ans qu'on existe et on est tout petit même à l'échelle de ce que racontait le docteur tout à l'heure, mais voilà, on existait bien avant d'être Maison Sport Santé et c'était déjà notre façon de voir les choses bien avant d'être Maison Sport Santé. La Maison Sport Santé, c'était hyper important parce que ça a validé notre travail et ça nous permet quand même de toucher des interlocuteurs qui n'auraient pas été interpellés sans cette labellisation. Les activités sportives, enfin, ou les activités physiques qui sont prescrites, c'est par exemple, je peux demander la boxe à mon médecin. La boxe. La boxe, par exemple, ou est-ce que c'est limité à certains Alors, sports? Frédéric, je pense pas que... Oui. Alors, si on regarde le médico-sport santé du CNOSF, tout est bon et on peut tout prescrire. Fermons la parenthèse et revenons à la réalité de la réalité. La réalité, c'est pas la boxe, c'est pas le judo, c'est pas l'athlétisme, c'est pas le football, c'est pas le basket, c'est pas le tennis. La réalité, c'est qu'est-ce qui existe dans le territoire de proximité. S'il n'y a pas de boxe et la boxe est à 50 km, les gens vont pas prendre leur voiture et ce serait ahurissant de dire allez dans les embouteillages pendant 3 heures pour aller faire une séance de boxe de 45 minutes. Donc non, non, non. Revenons aux choses sérieuses. Il faut que le médecin, effectivement, et les CPTS connaissent l'offre sur le territoire, D'accord. la proximité, Mais je et pense, même peut-être aménager. mais je pensais que Voilà, c'était limité à certains aménager. sports. Mais je pensais qu'il y avait une Ouais. limite au niveau du sport. C'était ça ma question. J'avais provoqué un petit peu, Non, mais non, il n'y a pas de limite, il n'y a pas pas de de limite. limite. D'ailleurs, le médecin ne va pas prescrire un sport, il va prescrire un type de pratique en termes de fréquence, d'intensité, de temps, et voilà. Donc, la pratique, de toute façon, c'est à l'éducateur qui devrait être formé et qui va inventer dans ce sport peut-être un travail inhabituel pour ce sport qui travaillera l'endurance. Donc, il va travailler des filières parce qu'on demande de les travailler. Ça s'appellera peut-être boxe, mais ça n'aura rien à voir avec de la boxe. Donc, vous voyez, mais ça, c'est tout le travail, justement, du sport santé. Et c'est passionnant, ce genre d'approche. Mais voilà, les gens ne vont pas commencer à dire, tiens, j'ai envie de faire du karaté, de l'aviron, etc. Non, s'il n'y a pas de proposition, on pourra pas. Et ça fera un flop parce que, de toute façon, ils vont tourner pendant des heures à téléphoner à plein de clubs sportifs qui vont les envoyer pour me promener en disant, ben non, on ne fait pas ça chez nous. Donc ce serait contre-productif. Je reviens sur les pathologies. On connaît bien. Moi, je suis issu d'une région qui, malheureusement pour nous, a les plus mauvais indicateurs de santé de France. Donc effectivement, avec des zones de précarité énormes.
Et c'est vrai que Donc, les tout le monde médecins est là, intéressé pour savoir la moi je la compréhension de la connais la région. région, c'est la région de France. Hein. D'accord. C'était le Nord-Pas-de-Calais qui s'est marié avec l'avant-dernier qui était la Picardie, et le Nord-Pas-de-Calais avec les Périgueux, forcément dernier, puisqu'on a marié un dernier avec un avant-dernier. Donc forcément, nous sommes les plus mauvais de France. Mais par l'histoire industrielle, l'histoire des mines, l'histoire de l'amiante, enfin, plein d'histoires de développement industriel qui ont fait qu'effectivement cette précarité est la réalité. Et j'ai généré, bien sûr, une hygiène de vie qui ne correspond pas forcément à la bonne manière de gérer sa future santé, mais aussi des problématiques de santé qui débordent largement le sport santé sur ordonnance. Le médecin, il est confronté au suicide, à la prise de psychostimulants, de psychotropes, etc. Donc, il faut essayer de calmer le jeu en disant attention, il y a des territoires où l'ARS va mettre beaucoup de moyens sur, par exemple, la prévention des suicides. Et peu de moyens sur le sport santé sur ordonnance, parce que finalement, ce n'est pas la réalité de la demande sur le terrain. Donc, restons, nous sommes dans la thématique, donc nous sommes passionnés, nous pensons qu'on est les seuls qui Convaincu. existent, mais le manque flagrant d'IRM dans notre région est aussi une source, ben, d'arbitrage à un moment. Il faut bien arbitrer, et cet arbitrage n'est pas facile à faire. Donc, ça veut dire que dans le financement, effectivement, le vrai problème, et je l'ai vécu plusieurs fois pour des structures hyper motivées et qui avaient en place, on va dire tout de suite le mot, c'est sport santé sur ordonnance. On regarde dans le bulletin municipal, quand on veut faire de la pub, la promotion, le maire, il va dire sport santé sur ordonnance et il va réunir autour de sa table l'élu à la santé et l'élu au sport. Et il va faire avec les journalistes, il y a un point presse sur j'ai mis en place le sport santé sur ordonnance. Et il va souvent autofinancer pour que ça coûte pratiquement rien à la personne. C'est-à-dire que le reste à charge, lui, il va le chercher auprès des ARS, auprès des mutuelles partenaires, auprès de la jeunesse et sport, bien sûr. Mais à un moment, quand ces financements ne sont pas pérennes, le reste à charge, il va devenir, au bout d'un an, si la prise en charge est pour 6 mois, ou 8 mois, ou 9 mois, il sera un petit peu, et les gens vont abandonner. Moi, j'ai vu une ville qui a tout arrêté, parce que dès qu'il y avait brutalement, ah ben vous sortez d'une autre dispositif, regardez combien est le coût d'une licence sportive, sport santé, 60, 80 euros. Ces gens-là ne peuvent pas payer ce prix-là. Donc, ils vont pas aller faire du sport. Dès que la prise en charge sera finalement en fin de droit, eh bien, ils vont abandonner. Et donc, voilà, la réalité, c'est que c'est tout. Il faut réfléchir à l'ensemble de ces dispositifs. Et le médecin, si le médecin a represcrit, la personne dit, mais docteur, ça me coûte trop cher. Il faudrait compte maintenant, c'était gratuit pendant la première prise en charge. Donc voilà, attention, attention, trouvons un modèle économique fiable. Et quand on parle tout à l'heure des profs APA, bien entendu, il y a énormément de profs APA qui sont hyper compétents et qui demanderaient pas mieux que s'investir dans la sport santé sur ordonnance. Sauf que le modèle économique, on l'a toujours pas trouvé. Comment rémunérer les profs APA? Le kiné, lui, honnêtement, il va s'investir, mais il va s'investir en trouvant un biais pour pouvoir rentabiliser sa consultation. Je ne le dirai pas comme ça sur cette vidéo parce qu'elle n'est pas forcément en lien avec les droits et les devoirs de l'assurance maladie. Mais voilà, donc trouvons un modèle économique et méfions-nous de ces financements qui ne sont pas pérennes. Donc vous voyez, dans une région à grande précarité, on se heurte effectivement à ce frein supplémentaire. Alexis, pour l'avenir, les prochaines étapes du développement de ce processus. Comme je l'annonçais, on travaille justement à la rédaction d'un nouveau cahier des charges pour les maisons sport santé qui vont être désormais habilitées au niveau régional par nos services déconcentrés jeunesse et sport et par les ARS. Et donc là aussi, ça devrait contribuer à mieux les inscrire encore dans leur territoire et à en faire des points d'entrée crédibles, y compris pour les professions de santé. Ensuite, les grandes questions, on les a un petit peu soulevées. Alors la question du modèle économique, bien sûr, comment on assure un financement pérenne à ce dispositif, la question, elle est posée. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On a des pistes, on a des réflexions, mais on n'a pas encore de réponse. Et puis, la question de la formation. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Beaucoup sont formés, mais il y a une demande qui est encore plus grande. On a besoin de plus de professionnels. Donc, comment on rend ces métiers attractifs tout en garantissant aussi, évidemment, la sécurité et le caractère réellement adapté de la pratique qui est proposée. Donc, tout ça, ce sont
des enjeux qui sont devant nous, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une volonté politique de conduire ces réflexions et de trouver des solutions. On a un ministre de la Santé qui est maintenant ministre de la Santé et de la Prévention, donc il n'est pas du tout indifférent à ce sujet-là, et ça, c'est très important pour nous. Et puis, on a une ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui est déterminée à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques une opportunité pour développer la pratique sportive pour tous tout au long de la vie, donc, y compris dans cette logique de sport santé. Donc on a un moment qui est quand même positif, qui est favorable. On a des réflexions qui sont en cours. On espère qu'elles vont aboutir prochainement et qu'elles vont contribuer au développement et à la structuration de ce secteur. Je vais rajouter un point avant de conclure avec Benjamin. Bah Benjamin, tu fais la conclusion? Ouais, je veux bien. Bah déjà, merci à Vous tous les plaît. trois pour votre présence et votre participation et la qualité de vos interventions. Moi, alors, je vais dire, je suis globalement optimiste, même si effectivement les temps sont longs hein, par rapport à ce qu'on aimerait et surtout nous, avec Annabelle, on a des activités économiques, on doit faire vivre des salariés, donc c'est vrai que on a parfois un grand décalage entre la mise en place d'un processus aussi structurant, aussi complexe comme celui-ci, et nous, la volonté qu'on a et le timing qu'on a aussi dans nos activités respectives. Donc cette différence-là, elle est parfois difficile, mais depuis nous, on s'est créé un peu comme Annabelle, on s'est créé il y a 7 ans. Je trouve quand même que les choses ont avancé, avancent dans le bon sens. Donc je suis plutôt optimiste. Le deuxième point, moi je trouve aussi, alors justement en préparant l'émission, j'ai localement, nous on est dans les Ardennes, hein, mais j'ai recontacté toutes les communautés de communes, les CPTS, des médecins pour en parler. Et en tout cas chez nous, finalement, contrairement à ce que je pensais, ce sont pas les médecins qui sont le premier frein, la méconnaissance du dispositif pour les médecins, finalement non. Il y a plusieurs CPTS, des médecins qui sont moteurs, mais effectivement, comme on l'a dit, c'est le manque de professionnels formés derrière. Nous, par exemple, des enseignants APA dans les Ardennes, on en a, ça se compte sur les doigts d'une main, puisque la filière n'existe plus à Reims, hein, donc depuis longtemps. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce que j'ai découvert aussi, un peu avec surprise. Puisque moi, je pensais que c'était plutôt un blocage qui venait d'abord de la méconnaissance des médecins. Et chez nous, ça a l'air de pas être le cas. Donc, c'est ce qui me rend aussi optimiste. Parce que finalement, je trouve, moi, le point de départ, ça doit être celui-ci. Ça doit être des médecins qui ont ce message et le dispositif bien ancré dans l'ensemble des thérapies qu'ils peuvent proposer, hein. Évidemment, c'est pas la seule, mais donc c'est pour ça que je suis assez optimiste. Et la volonté politique, c'est vrai, comme le disait Monsieur Reed, qui est quand même, on voit, qui est croissante par rapport à. Alors moi, je suis pas vieux, hein, mais c'est un sujet que j'ai commencé à regarder qu'à l'activité physique adaptée il y a une vingtaine d'années. On n'en était pas là non plus, que ce soit dans l'opinion publique, dans les volontés politiques, et encore moins aussi. Que ce soit les professionnels et les médecins. Donc voilà, il y a eu du chemin qui est fait, ce sera encore long, mais je crois qu'on va tous dans la bonne direction. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va dire, comme dans le temps, on disait, on rend l'antenne. En fait, on ne va pas rendre l'antenne. Je vous propose de regarder les autres émissions avec été indien qui vous sont proposées sur cet écran. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et à bientôt à la Merci. prochaine émission. Bonne soirée, merci à tous. Merci. Merci. Merci bien.